Je crois qu'il faut vraiment être libre. La création musicale, c'est vraiment l'apologie de la véritable liberté. Ce qui ne vit pas par le cœur en musique n'existe pas. Or, Jean Français, c'est avant tout la musique du cœur. Jean Français est un homme qui ne s'est jamais laissé influencer par l'air du temps. Jean Français est un de ceux qui a donné à la musique de notre pays parmi les plus jolies pages que l'on puisse rêver. Simple, transparente, légère, humoristique, comique, chatoyante, jeune, fraîche, distinguée. Mais voilà, elle ne se donne pas les moyens médiocres du succès facile. Déjà, dans votre concertino pour piano et orchestre, qui date de 1932, vous étiez totalement vous-même. Et vous n'aviez alors que 20 ans. Erich Strobel écrivit à son propos « Après tant de musique problématique ou inauthentique, ce concertino fut comme de l'eau fraîche qui jaillit de la source avec la spontanéité gracieuse de tout ce qui est naturel. » Ces lignes sont significatives si l'on sait qu'Erich Strobel s'illustra dans les années 50 et 60 comme l'un des plus fervents et d'ailleurs très sincères supporteurs d'un mouvement avant-gardiste si intransigeant à l'époque, le mouvement post-sériel. Mais Strobel savait reconnaître la qualité et celle-là était exceptionnelle.